Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle aventure, alias Taji en Turquie. Je rigole, je parcours 3 jours en Turquie en accompagnant ma copine et j'enchaînerai sur une deuxième destination que vous verrez à ce moment-là. Donc mercredi, jusqu'à mercredi je serai en Turquie. Donc je vais essayer de vous faire suivre ça avec, putain, gueule à prendre, avec du full day hopping, du day in life et on va essayer de s'entraîner chaque jour, etc. Donc j'essaie de vous partager un match, je pense faire ça en deux parties, donc ce soir et demain, et le jour d'après, plus mercredi matin. A savoir que pour aller à la destination suivante, je vais devoir repasser par Paris, donc ça va être un longest day, mais on s'en va. Bon, je suis jamais venu ici, je sais pas comment ça se passe, je sais même pas c'est quoi la monnaie. Si vous voulez. Donc je montre une question qui m'est régulièrement posée. Donc ici c'était sur le forum jeuxvideo.com. Donc la question c'était est-ce que je dois manger pareil les jours on et off? Est-ce que je dois me forcer à manger les jours off parce que j'ai pas faim? Donc je lui réponds en lui montrant une alternative à tout ça. Et avec la logique du CAC 5 jours et de la régulation. Donc voilà, j'espère répondre à pas mal de gens avec ce petit screenshot là. Et si jamais ça reste toujours flou, j'y reviendrai. Salut YouTube, on est le jour d'après, il est tard, très tard, 14h. On s'est réveillé tôt, mais j'ai un peu chillé ce matin, j'ai travaillé un peu sur le PC, et ça sert à rien que je vous partage ça parce qu'on s'en fout. Là je m'aventure dehors, je comprends rien aux adresses, je cherchais des salles rapidement, c'est pas extraordinaire. Il y a un maxi parc là, et j'ai vu qu'il y avait moyen que j'aille vers la mer, j'ai demandé 20 minutes. Donc on va aller là-bas. J'ai toujours pas mangé aujourd'hui. Enfin si, on a mangé des bakeries ou je sais pas quoi. Enfin bref, no protein. Je crève la dalle. J'ai 3 cafés dans le sang, donc je suis assez excité, je suis sûr ça s'entend. Je me suis habillé comme un pouilleux. Parce que je me dis, si je trouve un gym, au moins je pourrais m'entraîner. Et en soi, le swag à Istanbul, no fuck give. Donc voilà, on va essayer de rejoindre la mer et trouver à bouffer sur le chemin. Et éventuellement, une salle. On se voit plus tard. Que j'ai l'air débile en train de filmer ça, mais ils ont leur propre version de notre propre. C'est pas le monsieur muscle. Je pense que vous attendre. Premier fait de la journée, j'avais trouvé une salle qui était pas trop mal et ils vendent pas de dépasse. Ils vendent pas de dépasse, c'est que du 1 an. Ça avait l'air très chic, donc ça allait être très cher, ça aurait été très bien. Super. En soi, je stresse pas trop pour l'entraînement sur ce trip, pas comme quand j'étais à Genève avec ma prépa, si je m'entraîne pas, pire, je m'en fous. Et on est dans un bel hôtel, donc du coup, il y a une, je crois, belle salle de sport. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Et j'irai peut-être ce soir. Pour l'instant, je vais juste me balader, il fait beau. Il fait pas trop froid. Hein. J'ai faim. J'ai faim. On va manger des kebabs, tu vois. Même nous on l'a pas, tu vois. Bah oui.
J'étais pas censé traverser le pont aujourd'hui. Je vais le garder pour demain pour la rejoindre. Mais je crois qu'en fait notre hôtel est du côté de. Où il se passe rien en fait. C'est mort, j'ai marché genre une heure. Il y avait rien. Conclusion numéro 1 ici. Putain, il y a des chats partout. Il y a des chats partout et il y a gavé de trafic. Il y a gavé de trafic en deux. De toute façon, vous entendez que dalle quand je parle. Il y a tellement de voitures. En tout cas, je vais de l'autre côté du pont, ça a l'air beau gosse, vous avez vu les chats. On va voir ce qu'on trouve là-bas. Sorti du marché de l'enfer, ça me rappelle un peu Tokyo, c'est pas la même population, mais c'est pas mal, ça vit. Va falloir que je trouve un spot pour manger parce que j'ai gavé plein. Il y a plein de petits donneurs kebab qui traînent, je sais pas lequel, tu vois, ils me paraissent tous un peu ghetto. J'ai envie de finir avec une food poison, donc on va voir. J'ai faim. Sans m'en rendre compte, ça fait au moins 3 heures que je marche. Putain, ça passe vite, j'ai toujours pas mangé en fait. Donc aujourd'hui, sauf far, j'ai. Un peu de pâtisserie ou je sais pas ce que c'était, des croissanteries, ça se dit pas anyway, et quelques amandes. Là je viens de m'arrêter un doner kebab qui avait l'air pas trop mauvais, je vais vous montrer ce que j'ai pris sur le menu. Alors vous connaissez sûrement les doulous même en France, hein. Allez focus, vous connaissez sûrement les doulous même en France, donc j'ai pris un chicken et un beef roll. J'espère que c'est pas le spicy, sinon je vais le regretter. Il me reste au moins, je pense, une heure de marche pour retourner à l'hôtel. Je vais continuer à marcher, histoire de brûler la calorie. Et j'irai m'entraîner. Je pense que ça me laissera le temps de digérer tout ça. Et ce sera parfait. Il faut aussi que je trouve un supermarché d'ouvert, histoire d'acheter des trucs pour demain matin. Voilà, c'est le plan YouTube. A plus tard, on se voit à la salle, je pense. Bon, c'est pas mauvais. Mais putain, qu'est-ce que je vais puer de la gueule, c'est plein de nous. Elle va me détruire. Regardez-moi un peu la taille du bordel. Il prend tout le sac là. De retour à l'hôtel, je me suis arrêté au Carrefour Mini que vous avez vu. À l'aller, et je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris pour ce soir, demain matin, cette nuit, slash give me type to ism. Et au passage, je sais même pas si je devrais, mais je vais vous montrer la chambre un peu parce qu'elle est badass. Je vous drop pas où on est, mais je vous montre la chambre. Ici il y a le lit, ici il y a le mini bar, la machine à café. Ah, c'est plus grand, mais là où ça devient super cool. Donc on arrive ici et ça devient intéressant. Lavabo and stuff. Gains Miro. Ah, Rivance. Toilette. Mais ça reste le must, putain. Non. Comment ça marche quand même? Look. Et la putain de ménor. Cet hôtel. Et mon. Ouh, badass. Ah ouais, ça m'avait fait marrer. Qui a un curon comme ça, putain? D'où c'était venu l'idée, mec. Ah. Bon, maintenant je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Alors, bon, ça c'est rien de spécial et ça n'a même pas l'air super bon. Mais c'est juste une case. Un vieux sandwich jambon blanc de poulet. Non, fromage blanc de poulet. Jambon, je ne sais quoi, fromage. Ici il y a de l'Activia aussi, apparemment. Avec des Quensley caramel. Pour les coups. Ça que j'ai bu sur le chemin, c'est pas mal aussi. La thé, hein, je vous apprends rien. Du lait, j'espère qu'il est bon. Je sais pas si vous pouvez me dire. Deuxième. Alors, on va sur les basiques. Un paquet d'Oreo. J'ai pris des mini cookies. Du extra granola. Chocolat, un maxi brownie, encore plus de rien,
jus d'orange pour ma demoiselle de 20 ans. Et fidèle à nous-mêmes, deux putains de bounty. Nous donne à peu près tout ça. Il faut que j'aille demander une cuillère pour faire un bol. Sur ce, j'ai mangé. Oui, j'ai mangé. Ah, d'ailleurs, je vais vous montrer. Ah, ah, vous avez dit que c'était un peu gros et un peu galère à manger le truc. Regarde-moi ça, regarde. Petit hoodie tout neuf, dévasté par la sauce kebab de la Turquie. Strong. Bon, ça va pas être le power workout le plus intense de ma vie, mais on va voir ce qu'on peut faire. Next. Du coup, ce que je vais faire, parce que je suis sûr que cette machine, là, je vais la max out assez rapidement. On va commencer par un shoulder press, que je vais super setter avec de l'oiseau buste penché sur le banc en strict, vu que le maximum de l'haltère est 10 kg. Il y a des réglables ici, mais ça me fait chier de charger tout ça, donc on va prendre les 10, je vais faire du buste penché là-dessus. Je vais faire 5-7 je pense, voire plus, j'enchaînerai sur donc, la chest press, que je vais également super setter avec de l'oiseau buste penché. Cette fois, je vais mettre les mains en neutre, histoire de changer l'angle du coude, slash le recrutement. Et après, à mon avis, je passerai sur du toujours buste penché, des élévations latérales, un peu de frontal pronation, histoire de choper encore un peu plus. Et ça va être compliqué de faire les bras avec ça, je vous avouerai. Je sais pas après, on verra, on va commencer par ça. Comme d'hab, les machines c'est énormément de la merde, c'est mal foutu, donc il est mieux de les faire à l'envers, je viens de réaliser, sur celle-ci également, donc j'ai déjà 4 sets dans la tête. Je vais continuer avec la version à l'envers, je vous montre ça de suite. J'en ai fini avec la shoulder press, on va passer sur la chest press. J'en ai essayé, elle est pas mal du tout. Je pense qu'on va avoir un bon pump. On va rester sur la rep parce que mon nerveux, j'ai pas envie de le cramer pendant que je suis en voyage. Donc on va reper, on va voir ce que ça donne, mais je pense que ça va être bon. Mm-hmm.
j'aime bien avec cette machine, c'est que déjà il y a une trajectoire convergente, donc ça va imiter la presse avec Alter, et que l'angle, vous voyez, il n'est pas droit. Il est pas en pronation, on est un peu en oblique, ce qui reproduit directement mon angle de poussée au développé couché, ce qui m'évite de me faire mal aux épaules, et ce qui m'étire les pecs avant de mourir, mon dieu. Génial, j'ai bumpé à 100 kg. Elle est vraiment bien cette machine, putain. C'est quoi, de la fitness à la muscle ring? Normal. Allez, là c'est... Je sais pas si vous avez vu sur le set, il y a deux choses que je fais à chaque fois qui devraient être faites sur tous les pulls, tous les tirages, tous les pushs, tout ce que vous voulez. C'est mettre de la tension dans la barre avant même de pousser. Donc vous avez vu, quand je me mets en place là, j'amène mes fesses contre le dossier et je commence déjà à pousser, je commence déjà à créer la tension en fait. Et à partir de ce moment là, la première rep sera beaucoup plus simple. J'y viendrai aussi pour le soulevé de terre. En anglais, ils disent tirer le slack de la barre. Je sais pas comment traduire ça en français. Mais en gros, vous descendez, vous appuyez déjà, vous placez vos épaules, on prend son air et on pousse. Ça rendra la première est beaucoup moins traumatisante pour les épaules et vous serez beaucoup plus fort, ça lâche beaucoup plus gainé. Next. Un exercice, je voulais faire des élévations latérales juste penchées, mais c'est du parquet. Ça glisse, je vais faire avancer les petits contre la tête, je vais la casser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du long, mais strict et debout. Buste penché, Alberto Nunes time. Allez, on finit. Voilà. Pretty good pump, session d'une heure. J'ai fait 6 séries entre 10 et 15 à la chest press comme vous avez vu, le développé. Et en dernier, je vous ai recordé les élévations latérales, mais j'ai pas recordé le cœur incliné et l'extension nuque parce que c'est chiant, il y avait beaucoup de reps. On s'en fout. De pump piece de Q. Demain, je cherche une salle pour faire un putain de noir et je vous filme ça. Pense au Camille et on édite la vidéo. Peace out. Mais faut pas avoir faim. Ouais, YouTube, ce mini panini pour les gens en régime slash prep slash J-2 va terminer le jour 1 et le jour 2 de ce voyage. Je vous donne rendez-vous demain et après-demain pour le 2-3, pour le 3-4, pardon. Sur ce, likez la vidéo si vous voulez voir la suite, ce serait cool. Non, c'est une... Sur ce, je vous dis à demain et moi je vais manger. Peace out.